Bon, du coup, mes petits poulets, qu'est-ce qu'on se fait? On se fait une game avec le ZRG RAM 7 ou PKM LC10? Tu vois, c'est ça qui est vraiment intéressant finalement sur Warzone avec leur principe, c'est que toi tu peux dire tiens on va se faire une game avec telle chose, tu sais que tu vas te la faire. Il y a peu de games où tu vas jouer sans avoir tes armes, tu vois. Ah, ça va être compliqué là. Ah, j'étais de l'autre côté. Pardon, frérot. Ah, il a commencé à tirer, il a dû voir une mouche qui pète. Il fait hop, 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 hop. Allez, redéploiement en cours. Machin, plus de seconde chance, mes couilles. On va aller par là et on va attendre que la caisse, elle arrive vers ce petit ballon-là. Là. En vrai, c'est là où tu dis, bon, c'est vrai qu'Aldera, quand elle est sortie, les gens ont pas trop aimé. Déjà, elle était vraiment beaucoup plus jolie qu'aujourd'hui parce qu'elle était très... avec beaucoup d'arbres, etc. Mais ce qui la rendrait malheureusement très instable. Donc ils ont enlevé 50% de la végétation. Elle est moins jolie, mais elle tourne mieux. Après, c'est vrai que le fait qu'ils aient... Les ballons a tout changé. Le moment où ils ont mis les ballons, ça a été vraiment la révolution sur Caldera. Et c'est vrai que malheureusement, bah, les ballons sur Warzone 2, c'est pas vraiment la révolution. C'est ça qui est un peu dommage. Alors Farid, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je pense que c'était ta caisse, Farid. Soldat ennemi à proximité. Oh merde. Alors, j'allais prendre les munes là. Ça, c'est un truc sur Warzone 2, c'est bien, tu vois les caisses de munes qui sont affichées sur la minimap. Je le vois pas sur Warzone 1. Dommage. Alerte max, putain, parfait. Allez, casse-toi là! Tu papy loco! Jetons de goulag, jetons d'extraction, bim bam boum. On a des plaques, des machins, alerte max, impeccable, incroyable. On va pouvoir s'acheter une Autoréa, magnifique. Prends une petite Autoréa. Et puis on va bouger de là, on a fait un petit ménage ici, tu vois. Petit coup de Dyson. Allez les bouffons, ça dégage dans l'aspirateur. Bon, pour le coup, les... Alors honnêtement, c'est là où tu vois le HDR qui est mieux. Le HDR a plus de vitesse de balle. Bon lui je sens qu'il va se planquer un peu, on va pas non plus attaquer tout de suite. Un bug. Oh, dans le collimateur. L'identité de la cible mise à prix confirmée. Faites ça vite. Ah bah ça va être le même hein.
On va prendre la hauteur. Ah. Oups. J'ai vu le gars en plus. Mais j'ai pas dû m'arrêter avec la petite base que je me suis mangé. Malheureusement, j'ai dû changer de plan. Je crois qu'il a dû essayer de passer par derrière pour faire le tour. De toute façon, il reste que quelques secondes, ça va être compliqué. Ah, il est resté à l'intérieur. En bas en fait. Il y a un là. Je marque les coordonnées du repère. Le drone est à court de carburant, il rentre se ravitailler. On va mettre un petit drone quand même. Une petite insulte qui est partie entre les dents là. Le drone est à court de carburant, il rentre sur ravitailler. Ne dépêche pas, j'ai pas que ça à foutre. Il y a d'autres ennemis à tuer, hein. Il y a toi, mais il y a d'autres sur la liste, hein, tu sais. Les mecs sont égoïstes, hein. Ils pensent qu'il y a que eux quoi. Non, bah écoute. C'est sûrement bien échappé, je sais pas. J'ai pas vu plus que ça. Drone ennemi actif. Oh, un petit drone vite fait, non j'ai le temps, oui j'ai le temps. Connaissance déployée. Le drone commence sur survol. Ah, il est là. Il marque chaque aide. J'ai eu un peu de chance, tu vois. Le timing était bon, pour une fois, parce que c'est pas tout le temps. Je suis arrivé au même moment où il y a l'autre tryhard, tu sais, ceux qui te mettent à te laser dans les airs, là, où t'as l'impression que tu peux rien faire, c'est les pires. Ils sont bons, ça m'énerve.
Il a réussi à s'échapper. Heureusement qu'il n'y avait pas un campeur aussi. Hein. Bien wesh. Bien joué. Vous êtes dans le top 5. Excellent. Oula, oula, oula! Le niveau 1 là. Je sais pas s'il y avait un drone. Ouais, 21 kills. Bon après, des fois c'est des bugs, hein. Ils sont pas réellement niveau 1, mais bon. Cette spec hein, quand même. Il y a un drone par terre. La chatte du gars quoi. Alors, il savait qu'il était là, mais moi je l'avais pas vu. Hein. Mec, il l'a lock instant à travers la fenêtre. Le move était joli. Hein. De merde.
You should stop camping. Oh, la discussion de fin est passionnante. Hein. Non, je pense qu'il était bon, quoi. Genre, il avait pas l'air de savoir exactement où est-ce qu'ils étaient, tu vois. C'était genre juste des évidences, en tout cas. Je pourrais pas dire que le gars cheatait réellement. Parce que des mecs qui tryhardent avec des XM4, il y en a plein et ils ont des bons levels, quoi. Après, bon, il peut toujours y avoir des gars qui cheatent, hein, mais... Là, pas forcément non plus, quoi. Ou c'était pas évident, quoi.